Good morning, allez, Yiden, et tu seras aujourd'hui le Nish Matam Ramiona Ben Chana, Peggy Bat Esther, Nissim Bat Aouda, Shishporti, Shmechel Novikov, et aussi le Fouat, Rout Bat Klotin Traina, Simcha Bat Masoudi, Betor Shachol Israël. Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles, nous étudions Maserhet Douyot, Perek Aleph, Mishnah Tet. Aporet Selam, Imeot Maser, Shini, Bet Shamayumrim, Bekola Selam Maot, ou Bet Ilanumrim, Beshekel Kesef, ou Beshekel Maot. Rabbi Meir Omer, אין מחללים כסף ופירות על הכסף. וחכמים מתירים. מתירים. On va faire un petit tour cette fois-ci dans le Seder Zraim, le premier des six darim de Mishnah. Et on va parler du Maaser Sheni. Les prélèvements, d'abord, lorsque j'ai mon produit agricole de 100 kg, je commence à prélever la Terouma Gdola, un cinquantième, ou un quarantième, un soixantième, que je donne au Kohen. Si je donne un cinquantième, il va me rester 98 kg. Je donne à présent ces 98 kilos, le dixième au Lévi, 9,8 kilos. D'accord, il va me rester, faites le calcul tout seul, ma tête elle est fatiguée à cette heure-ci, ça fait 88,2 je crois. Ouais, je crois que je me suis dit. 88,2 kilos, c'est ce qui me reste, apparemment. Ça n'a pas l'air, ouais c'est bon. D'accord, 88,2 kilos. À présent, je dois prélever une deuxième taxe, encore un nouveau dixième, qui va s'appeler soit Maaser Sheni, soit Maaser Ani, selon les années. Le cycle agricole des années fait 7 ans, comme il y a la Shemitah à la 7e année. Donc on a les années 1, 2, 4, 5, où ce deuxième prélèvement, il va s'appeler le Maaser Sheni. Qu'est-ce qu'on fait avec ce Maaser Sheni? On le prend à la main à Yerushalayim. Dans les années 3-6, il faut le donner aux pauvres, c'est le Maaser Ani. En tout cas, pour le moment, ce qui nous intéresse, c'est le Maaser Sheni, je dois le prendre les fruits et l'amener à Yerushalayim. Lorsque je montrais, par exemple, pour les fêtes, c'était le grand rassemblement, tout le monde montait à Yerushalayim, alors je prendrai tous ces fruits et ça nous fera manger à Yerushalayim et on sera tous très contents là-bas. D'accord? Maintenant, bien évidemment, c'est pas toujours possible d'apporter des quantités astronomiques de fruits. Si jamais je suis un grand producteur, comment je vais débarquer à Yerushalayim avec des camions gigantesques? Alors la Torah m'a donné une solution, elle m'a dit c'est simple, quand tu ne pourras pas apporter ton Maaser Sheni, alors je te donne une solution, tu fais un pidyon, tu rachètes, tu transfères la kdusha des fruits sur des pièces, en rajoutant une petite taxe de 1 cinquième, et tu rends maintenant les pièces qui vont devenir, kdusha, bekdushat Maaser Sheni. Il va y avoir la kdusha du Maaser Sheni, du deuxième Maaser, donc il faut manger que à Yerushalayim. On n'a pas le droit de l'utiliser ailleurs, mais je le prends, je l'amène à Yerushalayim, je fais mes dépenses de nourriture et je mange autant que je veux, j'invite tout le monde, ça m'appartient. D'accord? Ça, c'est le Maaser Sheni avec le pidyon. Notre Mishnah, maintenant, va nous donner quelques précisions sur l'argent sur lequel on peut faire ce transfert. Et elle nous enseigne comme ça. Aporet, c'est là, mi me'ot ma'aser sheni. Les ma'ot ma'aser sheni, d'abord, ma'ot ma'aser sheni, il y a plusieurs sortes de pièces d'époque. Il y a le sela, un sela fait deux shekel, un shekel fait deux dinars. Entre parenthèses, on avait déjà rapporté un moyen mnémotechnique, sadam pod ovev, sela dinar mea pundion, isar, et le isar, c'est 8 poutot. D'accord? Voilà, ça nous fait à peu près des notions comme ça de pièces d'époque, sachant qu'une prouta c'était la plus petite pièce. Donc vous avez tous ces coefficients, 8 fois 2 fois 2, ça fait déjà 32. Bref, faites le calcul tout seul, 4 fois 6 fois 2 fois 2 fois 8. Et vous aurez combien dans un hissard, combien est-ce qu'on a de proutotes? Ça fait bien sûr une grande quantité. D'accord? Équivalent de 600, je crois, je ne sais plus. Disons 600. Ouais, d'Ovev, 4, 6 fois 4, 24, 24 fois 2, 48, 96, et fois 8, ça fait 800 prototes, presque 800 prototes, disons l'équivalent de 700 prototes, d'accord, dans un Sela. Concrètement, chaque fois que j'avais des fruits de Maaser Sheni, parfois un petit kilo par-ci, un petit kilo par-là, à chaque fois je prenais des pièces de prototes, de ma'ot, et je transférais la douche à des fruits sur les pièces. Maintenant, lorsque vient le moment de monter à Yerushalayim, je me retrouve avec 20 kilos de pièces à monter. C'est énorme. Comment je vais faire pour trimballer tellement de pièces de nechoshet, de cuivre? Alors j'ai envie de faire un transfert sur une pièce d'argent, une grosse pièce, un hissar. Alors là, on va avoir des instructions. Donc je vais prendre les 700 pièces,
et je vais les transformer sur un petit hissard propre que je mets dans la poche, un ou deux, et je les mets dans la poche et tout va très bien. Et ben on a des instructions. Quelle quantité de pièces transférer? Aporet, c'est là, mimeot maaser sheni. Celui qui va vouloir, l'ifrot, c'est faire de la monnaie, mais là c'est le contraire, au contraire, c'est faire de la monnaie, mais à l'envers. On va prendre des petites pièces pour en faire une grosse pièce. Donc il va vouloir faire un din, il va faire un sela avec plusieurs maot maaser sheni. Maot maaser sheni, le Bartanoï nous dit, mais chez Shlo maot nechoshet shel maaser, des petites pièces de nechoshet, de cuivre, de maaser sheni. Et il a envie donc d'être poret otam, de les réunir pour en faire un gros sela. Alors Beth Shammai ne donne aucune restriction, il me dit, vas-y, fais ce que tu veux. Beth Shammai omrim bekol sela maot, tu pourras prendre. Pour tout le sela, en faire avec toutes les maot requises, toutes les pièces de nechoshet, de cuivre requises, tu feras un sela. Pour le moment, vous ne comprenez même pas l'intérêt, puisque Beth Shammai n'a rien dit finalement. Mais en fait, il est venu pour exclure la vie de Beth Hillel. Ou Beth Hillel omrim, beshekel kesef ou beshekel maot. On a dit le sela, dans un sela, il y a deux shekels. Eh bien, Beth Hillel vient et me dit non, tu ne vas pas prendre, tu ne vas pas transférer toutes tes proutot et les faire passer entièrement, intégralement, sur tes pièces de Sela. C'est pas bon. Il faut que tu fasses avec la moitié de tes pièces, tu vas faire un shekel, et l'autre shekel, tu l'amènes en petite coupure à Yerushalayim. Quel est l'intérêt? On n'a pas envie de faire perdre à la valeur du Maaser Sheni, des pièces de Maaser Sheni. Imaginez qu'on va tous débarquer à Yerushalayim avec des gros billets pour acheter parfois des kilos de farine et des bouteilles d'eau ou... Ouais, d'Afka pas de l'eau, acheter des fruits, acheter quoi que ce soit à Yerushalayim. Imaginez qu'on va tous débarquer avec des gros billets au point où personne ne pourra acheter. Maintenant quoi? Personne ne pourra acheter, c'est-à-dire les commerçants, ils n'auront plus de monnaie à nous rendre. Les premiers vont arriver, ils vont avoir de la monnaie, après les seconds, il n'y aura plus de monnaie. Alors quoi? On ne va plus acheter. Comment on va pouvoir s'en sortir? Ça va être de la folie. Du coup, on risque de faire exploser les prix. Les gens, ils vont se mettre à amener les pièces des proutotes à Yerushalayim pour pouvoir aller faire de la monnaie là-bas, et bien sûr ils vont augmenter le taux de change, et il va s'avérer que la valeur du Maaser Sheni va être dévaluée. Si à l'époque, quand je débarquais avec mon Sela, je récupérais 700 proutotes, maintenant on va dire, tu sais quoi, je récupère que 650. Ah, t'es pas d'accord, ben, ne mange pas. Donc du coup, je vais céder. D'accord, c'est normal, c'est l'offre et la demande, ça va faire chuter le fruit et le prix ensuite, ça va faire baisser le prix des slimes, des grosses pièces. C'est pour ça que Beth Hillel se sont souciés de me dire, non, tu ne montes pas à Yerushalayim que avec de l'argent. Tu prends la moitié de l'argent et la moitié en petite coupure, comme ça tu pourras faire des petits achats et ça va maintenir l'économie de Yerushalayim et essentiellement, ça ne va pas faire dévaluer la valeur du Maaser Sheni. Ok? On a compris, Baruch HaShem. C'est expliqué dans le Bar Tanoura. Là, la suite de la Mishnah, je vous le dis tout de suite, elle est beaucoup plus compliquée à comprendre selon le Bar Tanoura. C'est discuté quelle est la vie exactement du Bar Tanoura, c'est assez flou, c'est fondé sur le Rambam, c'est compliqué. Il y a Tachles, concrètement. Je vais expliquer, moi, j'ai dans ma Mishnah, il y a le Pirouche du Melechet Shlomo, qui va expliquer ça selon le Ra'avad. Il y a le Pirouche du Ra'avad dans ma Sechet de Doya, le Pirouche du Rambam, et le Pirouche du Ra'avad, c'est imprimé dans le Chas Vilna. Et on va expliquer la Mishnah selon le Ra'avad, qui est très simple. D'accord? D'autant plus que il y a le Ma'ari Korkus dans le Rambam qui dit que c'est possible que le Rambam, sur les Mishnayot, explique comme le Ra'avad. C'est un peu flou, de nouveau. En tout cas, on va expliquer comme ça, ça va être très clair. Regardez, je vous fais plutôt une petite introduction. Il y a marqué « Vetzarta kesef beyadecha ». De la Mishnah, elle m'a dit « Tu prendras un... » la Torah, elle me dit, un pasuk meforage dans la Torah qui me dit que je peux transférer la gdusha des fruits sur des pièces. Et après, tu prendras les pièces « Vetzarta kesef beyadecha ». Tu prendras le tsror d'argent, la petite bourse d'argent et tu montreras Yerushalayim pour la dépenser à Yerushalayim. Il se passe qu'il y a un « he » il y a des lettres en trop dans ce pasouk. Et « chachamim », il y a une discussion, est-ce qu'on explique comme ça, c'est justement l'avis de Rabbi Meir. Rabbi Meir va nous dire que « kesef ha kesef, kesef rishon velo kesef sheni ». Soit, une fois que je transfère une première fois la gdusha des fruits sur de l'argent, je ne peux plus ensuite retransférer la gdusha de l'argent sur un autre argent. Tant que je ne suis pas arrivé à Yerushalayim. Quand je suis arrivé à Yerushalayim, c'est un autre problème, on en parlera dans la Mishnah prochaine. Pour l'instant, je suis encore au niveau, pas de dépenser le Maaser Sheni, mais plutôt de transférer un Akdusha. Et bien Rabbi Meir m'a dit, tu transfères une seule fois et pas deux. D'accord? Kesef Rishon, Velo Kesef Sheni, c'est les mots du Ra'avad. Kesef Rishon, Velo Kesef Sheni. Le premier argent et pas le deuxième argent. Soit tu transfères une fois.
la tourelle d'Asie, tu fais passer des fruits sur l'argent. Dès que tu as fait passer sur l'argent, ça n'existe pas de transférer la kdusha de l'argent sur l'argent. De ce fait, Rabbi Meir me dit, donc Rabbi Meir discute sur Bet Shammai et Bet Hillel, puisque si vous souvenez de quoi on a parlé jusqu'à maintenant, on parlait qu'on avait des proutotes, des petites pièces de cuivre qui étaient kadosh, de Maaser Sheni, et que je transférais cette kdusha là sur des pièces d'argent. Eh bien Rabbi Meir n'est pas d'accord avec ça. Il me dit, Rabbi Meir Omer, En mechalelin perot, En mechalelin kesef ou perot, ale kesef. On ne pourra pas, même pas transférer la kdusha, ni d'argent sur de l'argent, ni même de l'argent associé à d'autres fruits sur de l'argent, dans tous les cas, je t'interdis. D'accord ? Il y a une certaine lourdeur d'après le Ravad, mais au moins, ça donne une allure claire à la notion véhiculée par la Mishnah. D'accord ? Donc, on ne pourra pas transformer kesef ou perot al kesef. On ne pourra pas transformer, associer à la fois des pièces qui sont déjà gdushot de Maaser Sheni avec d'autres fruits pour en faire une plus grosse pièce donc qui va être elle-même de kesef de Maaser Sheni. D'accord ? Va chachamim matirin. Malgré, eh ben, par contre, chachamim nous permettent. Chachamim, c'est les mêmes que Bet Shammai et Bet Hillel, ce qu'on avait vu juste avant. Que eux pensent qu'il y a quand même une certaine restriction dans le sens de Rabbi Meir. Qu'une fois que tu as transféré, les pièces sont en fait hiérarchisées. Il y a les pièces de cuivre et les pièces d'argent, et même aussi les pièces d'or. On ne va pas en parler des pièces d'or, c'est des sujets plus compliqués de Baba Metzia. On va parler juste des pièces d'argent et des pièces de cuivre. Il est vrai que les pièces de cuivre ont un statut de pièce par rapport aux fruits. Mais c'est encore des pièces qui n'ont pas la vraie valeur, ça ne s'appelle pas encore des matbeot, des tiva. C'est des petites pièces, des petites coupures pour pouvoir faire des transactions. Mais la vraie pièce, en réalité, c'est la grosse pièce d'argent. De ce fait, Chachamim sont d'accord que une fois que tu as transféré la kdusha sur une pièce d'argent, tu ne pourras plus la transférer sur une autre pièce d'argent. Mais si tu as transféré la kdusha sur une pièce de cuivre, eh ben, tu pourras continuer à la transférer du cuivre sur de l'argent, étant donné que le cuivre par rapport à l'argent, ce n'est pas considéré encore comme une pièce. C'est comme si tu as transféré la kdusha sur un fruit intermédiaire qui avait déjà un petit statut d'argent, mais qui n'était pas encore vraiment de l'argent. De ce fait, tu as le droit de faire un deuxième pidyon. Tandis que si tu as transféré de l'argent directement sur un dinar, et tu vas vouloir ensuite réunir plusieurs dinars pour en faire un sela, puisque tout ça, c'est des pièces d'argent, de matériaux argent. De ce fait, tu ne pourras plus transférer d'une sur l'autre. D'accord ? On a fini la Mishnah. C'est tout pour aujourd'hui. Je te souhaite une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov. C'est là.